Semaine, on est en haut de la montagne, on va la descendre maintenant, mais bon je suis pas pressée de la descendre en fait parce que ça voudra dire que ce sera la fin des vacances déjà qui sont passées super vite. Bref, alors mercredi 17 avril, j'ai encore du mal avec ce mois d'avril, vivement qu'il soit fini, je vais m'y faire quand ça sera fini en fait, voilà, et après il faudra que je me fasse au mois de mai, c'est ça hein? Oui c'est ça, oh là là. Bref, elle va promettre cette journée. Alors, comme je vous ai dit, on est mercredi 17 et il est tard, il est 11h, mais je suis réveillée depuis un moment. En fait, en ce moment, comme avec les vacances et tout, que l'organisation est un peu compliquée, je me lève, il est 7h et je me mets tout de suite, je prends mon café et je me mets sur mon PC. Je travaille tout de suite en fait dessus, je monte la vidéo, je finis de mettre les miniatures, etc. etc. Je mets les recettes sur le blog, comme ça. Bah après j'ai ma journée, j'ai juste à répondre à vos commentaires en fait et le soir à monter la vidéo du jour. Voilà, donc du coup comme ça les enfants dorment encore, la maison est encore un peu calme, donc j'arrive mieux à me concentrer on va dire. Et puis c'est un moment où je peux pas faire énormément de bruit parce que je veux que les enfants aussi profitent de leur journée. Je peux pas commencer mon sport tout de suite parce que autrement ça fait du bruit. Hier j'ai réveillé Kimberley, bon il était quand même 9h30 hein, mais c'est vrai que le tapis fait quand même du bruit. Donc arrivé comme là ce matin 9h30, je monte. Voilà, c'est une heure raisonnable pour eux aussi, pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils puissent aussi profiter de leur journée, parce qu'après la journée passe comme une flèche. Hein. Donc, il est 11h, mais j'ai déjà fait mon sport, je me suis préparée, je me suis lavée, je me suis maquillée, j'ai fait une partie de mes routines, il faut que je finisse. Mais là, je vais déjeuner parce que j'ai faim. Donc, ce matin, j'ai voulu tester la pâte à tartiner qu'on a fait hier ensemble. C'est un, voilà, c'est pas du tout une pâte à tartiner. Là, la texture, alors le fait que je l'ai mis au frigo... La texture a complètement changé, je vais vous montrer. Elle est devenue complètement voilà, granuleuse, compacte. Donc il faut vraiment que je change la recette. Par contre là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une demi-cuillère à café avec une cuillère à café. La prochaine fois, peut-être par contre, je mettrai moitié-moitié. Donc j'ai mis une cuillère à café de lait. Donc là c'est du lait d'amande Alpro à la vanille, aromatisé à la vanille, donc ça donne un petit goût de vanille en plus. Et une demi-cuillère, donc 5 grammes en fait de pâte à tartiner. Donc 10 grammes de lait et 5 grammes de pâte à tartiner. Et là on obtient en fait quelque chose qui est un peu plus, vous voyez, plus fluide. Donc peut-être qu'en mettant moitié-moitié, donc 5 grammes, on obtient peut-être quelque chose qui est tartinable. Donc c'est peut-être la solution pour, voilà, pour continuer à avoir quelque chose de sain. Là comme je vous dis, j'ai peur de rajouter du lait, comme je vous ai dit hier, j'ai peur de rajouter du lait dedans et que ça joue sur la conservation. Mais bon, on verra ça. Donc ce matin, j'ai testé, j'ai mélangé et je vais me mettre ça sur mes fruits et mon porridge. Enfin, c'est pas un porridge, c'est des fruits. Un mélange de flocons d'avoine, donc c'est le mix que... Voilà, le même que j'utilise d'habitude. C'est... Je vais vous montrer peut-être l'emballage pour les nouveaux. Voilà, c'est la marque Cacker. C'est un muesli. Là c'est amande, noisette, raisin sec et c'est sans sucre ajouté. Donc en fait il n'y a vraiment rien dedans. Il n'y a que les flocons d'avoine, il y a du seigle, il y a de la datte, des graines de tournesol, des pétales de blé d'orge, des amandes, des raisins et des noisettes. Voilà. Il n'y a pas d'huile de palme, pas de conservateur, pas de colorant. Je l'ai yucatisé, je ne sais pas si ça se dit, et il est excellent. Donc voilà.
je l'aime bien celui-là, il y en a plusieurs comme ça et j'aime bien le prendre parce qu'il a un bon goût je trouve, et voilà, ça change un petit peu. Donc du coup, comme je vous ai dit, j'ai mis ça, yaourt et puis ananas et quelques myrtilles que j'ai acheté hier, et je vais arroser avec la crème en fait, voilà, sur le dessus. Donc pour le petit déjeuner, ça sera ça. Au niveau du repas aujourd'hui, ce midi, c'est des paninis. Par contre, moi je mangerai pas ça. Faut que je regarde parce que du coup je sais pas ce que je vais manger. Faut que je regarde ce que je vais manger. En dessert, c'est yaourt. Et ce soir, le repas, c'est rouleau de printemps aux crevettes avec une crème de citron express en dessert. Donc voilà pour le menu. Donc là, je vais aller manger parce qu'après je mange tard et. Bah, on mange pas avant 13h, 13h30, hein, parce que chérie rentre à cette heure-là, et comme là, c'est des paninis, donc Stécie n'a pas foot en plus. Donc, c'est pas grave que si je déjeune un petit peu plus tard. Mais mon ventre, lui, n'est pas vraiment d'accord. Il a faim, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, j'y vais, parce qu'ensuite, j'ai mes routines et tout à faire. Allez, go. Alors, j'ai fini de déjeuner. Verdict de cette pseudo pâte à tartiner. Alors, mélanger avec le lait, comme ça, à la vanille, amande, c'est trop bon. Alors, va falloir vraiment que je réfléchisse, peut-être rajouter du lait de noisette ou en, pour redonner encore. Mais ça me fait penser à la pralinoise, en fait. Alors, même là, avec l'ananas, j'avais un petit peu peur du mélange. Je me suis dit, quand je l'ai mis, quelle mixture. C'est vraiment parce que je voulais goûter aujourd'hui. Mais non, en fait, ça va super bien même avec l'ananas. C'est vraiment très, très bon. Et du coup, il faut vraiment que je réfléchisse à trouver... un truc pour la liquidifier un peu, ou au pire je ferai comme ça, mais oui, c'est validé, enfin faut que je l'améliore, hein, mais le goût y est top. En plus, que des trucs, voilà, comme c'est du sirop d'agave, c'est un IG bas, l'amande et tout, il n'y a que des bienfaits en fait dans cette pâte à tartiner, donc sympa à retenir, voilà. Bon, je vais la remettre au frigo. Et là du coup je vais commencer le dessert parce que cet après-midi je viens de recevoir un message. On va aller boire le café chez des amis. Donc du coup je vais préparer mon repas pour ce soir, prendre de l'avance. Je vais faire la crème au citron express, ça va aller vite. Je prépare les ingrédients et on s'y met tout de suite. Mais vous allez voir, ça ressemble, en fait je suis partie sur la base du... j'avais fait à la clémentine, voilà, une sur la base d'un lemon curd, un petit peu le lemon curd express que je fais au micro-ondes. J'avais fait aussi des verrines avec de la clémentine aussi, comme ça. Et là, du coup, je vais pratiquement faire la même base. Mais là, je pense que je vais mélanger le yaourt avec le lemon curd que je vais faire. Voilà. Allez, je range ça et je prépare les ingrédients. Alors, pour ma crème de citron express, pour le dessert de ce soir, je suis partie sur la recette de mon lemon curd express. Donc, dedans, il y a 100 ml de jus de citron. Donc, c'est des citrons bio que j'ai pressés. Je pense que j'ai dû en presser 3. Enfin voilà, j'ai compté pour avoir 100 ml de jus. Il y a 150 g de sucre. Moi je l'ai remplacé par du Canderel liquide. Donc j'ai mis 7,5 ml pour remplacer les 150. Ça fait beaucoup de sucre, hein, dedans, mais le citron c'est vachement acide, hein. 3 œufs entiers et une cuillère à soupe de maïzena. Et ça en fait vous le mélangez tout ça dans un petit bol et vous passez au micro-ondes jusqu'à ce que ça épaississe. Alors on met une minute, on arrête, on mélange, on remet une minute, on arrête, on mélange jusqu'à ce que ça devienne bien épais. Voilà. Donc une fois que ça a bien épaissi, moi je vais rajouter 200 g de skyr. Alors pourquoi le skyr? Parce qu'en fait, au début je voulais rajouter des yaourts nature, mais je me dis le skyr est plus compact. Enfin je sais pas si vous allez voir la texture. Vous voyez, c'est beaucoup plus solide que du yaourt, donc on va obtenir vraiment quelque chose qui ressemble plus à une crème. Donc là c'est encore chaud, hein, mais c'est pas grave, ça va se refroidir. Donc je mélange, hop, les deux. Je vais goûter, vous voyez, comme ça on obtient quelque chose qui est bien, voilà, qui ressemble à une crème en fait, un peu comme une crème pâtissière. Je vais goûter, voir si j'en rajoute ou pas, parce que je voulais pas cacher le goût du citron. Et voir si il faut pas rajouter du sucre. Alors, dans cette préparation, il y a 0 point. Donc, en fait, voilà, c'est 0 Weight Watcher. Donc, c'est un petit dessert, voilà. Plaisir, sans culpabilité.
En fin de compte, j'ai juste rajouté 2,5 ml de sucre parce que je trouvais qu'il en manquait un tout petit peu. Mais c'est plus une question de goût. Hein. C'est surtout pour les enfants et chéris. Mais autrement, la texture, enfin, je sais pas si vous allez voir, on a vraiment la consistance d'une crème. Franchement, nickel. Et au niveau du goût, c'est super citronné, c'est très bon. Ouais. Voilà. Alors, ce que je ferai, comme c'est un petit dessert vraiment très light, hein, il y a zéro. Donc, du coup, je rajouterai peut-être pour plus de gourmandise un petit peu de chantilly dessus. 5 grammes, vous voyez mes 10 grammes de chantilly qui paraissent énormes en fait. Voilà. Bon, je vais mettre ça au frigo. Et du coup, le dessert pour ce soir est prêt. Voilà. Alors, la matinée a passé à une vitesse folle. Chéri est rentré. Il est là. Tu te fais coucou, chéri? Et il est déjà 1h30. On n'a pas encore mangé. Stacy avait un exposé à faire. Mais en fait, il devait faire un diaporama. Bien sûr, elle ne connaît pas le logiciel parce qu'on leur demande de faire des diapos et on ne les forme pas sur les logiciels. Donc, c'est quand même un peu compliqué et il faut leur expliquer. Donc, on a passé une bonne partie de la matinée à mettre en place son logiciel. Et heureusement, elle comprend vite. Donc, arrive un moment, elle m'a dit, bon, bah, c'est bon, j'ai compris le système. Là, je pense que le prochain, ça ira tout seul. Hein. Mais voilà, je trouve que quand on leur demande quelque chose, la moindre des choses, c'est que les profs devraient peut-être se renseigner pour voir si les gamins sont capables de le faire. Parce qu'il y a des personnes, des gamins, qui n'ont peut-être pas forcément les parents, qui sont calés sur les infos, quoi, en fait, sur l'informatique, et qui ne savent pas forcément le faire. Ils peuvent aller au CDI. Ils peuvent aller au CDI pour le faire. Ouais, mais là, pendant les vacances, c'est compliqué pendant les vacances. Hein? Alors, ils sont en train de se faire plaisir là. Hein. Ce midi, c'est panini 3 fromages. Alors, c'est 3 fromages, mais c'est fromage. Ouais, une belle couche de fromage. Oh, hein. Fromage que j'ai. Donc, eux, ils sont en train de se mettre mozza, chèvre, roquefort. Hein? Par contre, chéri, lui, ça va être beaucoup plus simple parce qu'il n'aime pas le chèvre, il n'aime pas le roquefort. Enfin, le chèvre chaud, il n'aime pas. Et moi, c'est tout simple. C'est de la soupe, donc le restant de soupe de dimanche soir que j'avais fait avec le chou-fleur, carotte et du curry. Pardon, chéri, je vais essayer de ne pas me brûler. Et puis, juste 50 grammes de pain et un carré... Voilà. Ouh là, c'est chaud! Et un carré sylphide au bleu. Voilà. Tiens, chérie, tu peux m'aider, va. C'est pas facile avec une seule main. Ouais. Le big... ça va couler de partout, en plus. Oh, pardon. C'est pas grave. Ouais. Soupe, curry, carotte, chou-fleur, un carré sylphide et 50 grammes de pain. Et je vais sûrement manger en dessert du skyr avec de la banane ou quelque chose comme ça pour bien me caler l'estomac. Du skyr. Non, tu vas boire un kir. Ah, je vais boire un kir. Non, non. Laisse ton paille Paul au plafond. En pleine semaine. Et ça t'empêche, toi hein? Quand je suis pas là, tu bois, oui. Moi, je bois quand t'es pas là. Comment tu pourrais savoir? Ouais. En plus, le genre d'alcool que tu bois, j'aime pas forcément. Ouais, c'est vrai. Hein? Mais je trouve que mon whisky diminue drôlement. Ah, bah, en plus, ça, parce que j'ai horreur du whisky, je trouve, que, franchement. Je trouve que ça a un goût de médicament, c'est horrible ce truc. C'est... Allez. C'est bon pour les arts. Tu vas mettre quoi toi dans ton truc? Oh ben, le strict minimum. Le strict minimum. Voilà. Du brie et de la mozza. Un morceau comme ça. Et je pense que mon truc après, il va être rempli de fromage tout fondu, je vais pouvoir le nettoyer. Bon, on va se dépêcher parce que comme je vous ai dit, il est déjà 1h30. Donc moi j'ai faim, je vais manger. Je vais leur laisser se débrouiller et je vais les laisser ranger parce qu'après tout, moi je vais pas manger de panini. Oh. Donc c'est même pas moi qui va nettoyer tout le fromage qui va manger dans le truc. Quelle bande de fainéants hein. Et mais en même temps voilà, ils vont pas se priver de manger. Aïe aïe aïe. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe aïe aïe. Plus. Ça entraîne tout fondre dedans. Non. Bah ouais. Ça sent trop le fromage. Ah ça sent trop. Allez, on va manger à terre. Il est déjà 2h30. Donc on va se mettre en route. On va y aller, surtout que c'est pas à côté. On reviendra du coup, à mon avis, pas très tôt. Angèle va aller du coup au foot en bus. Parce qu'il a fait foot à 18h ce soir. Et chérie ira le rejoindre. Voilà. Le soleil a l'air de sortir, mais je pense qu'il doit encore une fois pas faire très chaud dehors. Ça va? Bon, allez. On va aller voir son petit café avec ses copains. À tout à l'heure.
Alors il est 19h, ça fait un bon quart d'heure qu'on est entré. J'ai froid, je suis frigorifiée. Je me suis fait une boisson chaude, du coup une infusion pour me réchauffer. Alors Angel est parti au foot en laissant la télé allumée. Il avait laissé en plus les clés sur la porte. Alors en fait on lui a dit passe par devant, on a un accès devant et derrière nous hein. Donc on lui avait dit tu passes par devant, tu prends les clés, surtout ne les perds pas. Nous on passera par derrière et il avait laissé les clés sur la porte de derrière. Donc du coup heureusement que chérie avait son deuxième trousseau de clés parce que tout le monde était dehors. Voilà hein. Alors j'avais qu'une envie, c'était de rentrer parce que j'avais froid. Chérie avait chaud donc il roulait avec la fenêtre ouverte et moi j'étais frigorifiée. Donc je lui disais non mais j'ai trop froid moi, vas-y ferme la fenêtre. Voilà, donc petite infusion pour me réchauffer. Je vais attaquer le repas aussi. Donc là chérie est partie récupérer Angel qui avait en plus d'oublier les clés, avait oublié aussi ses baskets. Donc il a dû faire entraînement, enfin ses crampons. Donc du coup il a dû faire entraînement au basket. Alors ensuite chérie va reconduire Kimberly aussi à son entraînement de danse aujourd'hui. Elle devrait plus tarder à rentrer. Donc encore une fois un mercredi, hein, comme d'habitude, c'est toujours bien speed. Mais bon, on n'a rien fait cet après-midi. On a bu le café avec nos copains. Ça nous a fait du bien parce que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus. En fait, ils habitaient dans la même ville que nous il y a un peu plus d'un an maintenant, je pense. Hein, et ils ont complètement changé de décor. Ils sont partis en campagne et ils ont bien eu raison. Voilà. Hein ? Ils entendent des petits oiseaux maintenant et puis ils sont entourés de champs et il y a des vaches au bout de leur jardin. Enfin voilà, c'est super gai. Bref, je vais attaquer le repas. Donc ce soir, c'est rouleau de printemps. Je vais faire la sauce déjà. Oui. On va commencer par ça. Donc dans ma sauce rouleau de printemps, je la fais très classiquement. Le seul truc, c'est que je vais diminuer un petit peu le sucre que je mets dedans. Et je vais mettre du sucre de coco. Comme ça, ça jouera sur l'indice glycémique. Il y aura moins d'indice glycémique. Donc ce que j'ai fait déjà, moi je mets de la carotte et de l'ail dedans. Alors pas grand chose comme carotte. J'ai vraiment une bonne pincée de carotte coupée en petits dés. Et l'équivalent d'une gousse d'ail aussi coupée en petits dés. Je vais ajouter 6 cuillères à soupe de sauce poisson, 3 cuillères à café de sucre de coco, ensuite qu'est-ce que je vais mettre, du vinaigre de riz, donc là c'est 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz et 18 cuillères d'eau à peu près, voilà, et un petit peu de flocons de piment. Je mélange ça, alors là je le fais la quantité pour 5 personnes, hein. C'est pas que pour moi, ça va être pour les enfants aussi. Ah, la Kim, tu vas l'ouvrir? Donc du coup, hop, je fais ça et puis ensuite ben, je vais continuer à préparer les légumes pour les rouleaux. Alors comme je vous ai dit, je vais mettre de la carotte, enfin non je vous l'ai pas dit, je vais mettre de la carotte, du chou je pense. Des crevettes, je vais voir des oignons peut-être aussi. En fait, après dans les rouleaux de printemps, on met ce qu'on veut. Hein. Donc, 6 cuillères à soupe de sauce poisson. Ensuite, 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz. 3 cuillères à café de sucre de coco. Ou du sucre normal si vous le voulez. 1/8 de flocons de piment. Cuillère à café. Hop, 1/8 de cuillère à café et de l'eau, donc 18 cuillères à soupe d'eau. Voilà, on obtient une belle quantité de sauce, hein, mais voilà, c'est pour nous 5, donc après on trempe dedans. Ça se conserve en plus relativement longtemps au frigo, si vous en avez trop. Donc moi je vais continuer à m'occuper de mes légumes du coup. Ouais, j'ai coupé mes légumes, donc il y a du chou chinois, carottes, oignons rouges, j'en ai pas fait mis beaucoup parce que les enfants vont sûrement pas en mettre, des graines de, enfin des haricots mango et je veux aussi du poivron. Mais bon, après en légumes je pense que les rouleaux de printemps c'est un peu ouvert hein, vous mettez ce que vous voulez dedans hein. Poivron, il y en a qui mettent des feuilles de menthe aussi dedans, moi j'en mets pas parce que déjà j'en ai pas. Donc ça règle le souci et aussi parce que les enfants n'aiment pas trop quand ils tombent sur une feuille de menthe. Moi j'aime bien, mais voilà. Au pire, j'ai un peu de menthe ciselée. J'ai de la menthe ciselée au congélateur.
Donc au pire je mettrai ça. Et ensuite on met des vermicelles de riz. Alors là du coup, moi je me suis pesé 30 grammes de vermicelles de riz pour moi et le reste pour les enfants. Donc il faut juste mettre de l'eau bien chaude dessus pour les réhydrater. Voilà. Et ensuite on les passe sous l'eau froide et c'est bon. Elles sont prêtes. Hop, voilà. Donc ensuite bah, nous on va rajouter des crevettes que j'ai juste ébouillantées parce que c'était des crevettes crues que j'avais. Donc je les ai juste ébouillantées un petit peu tout à l'heure avant de partir. Et je vais préparer aussi bah, les feuilles de riz aussi. Voilà. Je mélange ça correctement. Et voilà. Ouh, je fais un bain de vapeur. Donc voilà. En fait, je les ai mis dans une grande quantité d'eau et on laisse. On les laisse gonfler. Ça fait du bruit. Je sais pas si vous entendez, mais. Je vais essayer de vous rapprocher. Ça va être chaud aussi. Vous avez entendu le bruit que ça fait? C'est marrant. Hein, c'est bizarre que ça fait ce bruit-là. J'avais jamais remarqué que ça faisait du crépitement quand bon, bah, ça a l'air d'aller là, elles sont enfin une fois qu'elles se sont réhydratées, c'est bon hein. Ouais. Angel est revenue du foot. Coucou. Et chérie est repartie du coup conduire Kimberly. Alors lui, il va sûrement pas manger des rouleaux de printemps. Je pense qu'il m'a dit qu'il allait se faire un sandwich avec du fromage ou un truc comme ça. Il m'a dit, tu t'occupes pas, je mangerai ce qu'il y a, ça me dérange pas. Donc du coup, bah, avec les enfants, on va commencer à manger parce qu'il est presque 8h et il commence à faire faim. Tout est prêt. Alors, il y a... Chérie, tu la mets ailleurs, s'il te plaît. Il y en a une qui est attirée par le thon, là. Donc, comme je vous ai dit, il y a le chou blanc, carottes. On a une belle luminosité, là, le soleil qui sort sur le soir. Des oignons rouges, des crevettes, la sauce qu'on a fait tout à l'heure ensemble, les haricots mango, les poivrons, il y a trois couleurs, les vermicelles de riz et je leur ai fait aussi préparer du thon aussi comme ça s'ils veulent s'en faire au thon en plus parce que je ne sais pas s'il y aura assez de crevettes. Alors au niveau des points, alors que je vous explique, la sauce c'est un point. Pour la sauce, donc c'est vraiment pas beaucoup. Pour les vermicelles, pour les 30 grammes que j'ai fait cuire, enfin 30 grammes crus que j'ai fait réhydrater, ça fait 3 points. C'est pour ça que moi je me les suis mis de côté. Et pour 3 feuilles de riz, c'est 2 points. Donc du coup, je vais me faire 3 beaux rouleaux de printemps en repas de ce soir. Et pour combien de points? En fait, ben, il faut juste additionner la sauce. Donc, ça fait 6 points pour 3 beaux rouleaux de printemps. Voilà. Le thon, les crevettes, c'est 0 avec Hot Watcher. Donc, en fait, tout ce qui... Les légumes, c'est 0. Donc, tout ce qui compte en points, c'est les vermicelles de riz et les feuilles de riz. Alors, je vais en faire une avec vous pour vous montrer. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait. Je vous montre la technique. Et puis, et ensuite, ben, on va manger. Des gros, hein, ils sont gros. Et ensuite, bah, vous les trempez dans la sauce et vous les mangez comme ça. Voilà. Alors, le petit dessert. Donc là, le petit dessert pour un point, juste pour la chantilly, puisque ce qui est en dessous, c'est 0, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, j'ai 7 grammes de chantilly, mais vous pouvez aller jusque 10. Hein. Voilà, c'est un point pour 10 grammes. Alors ça, c'est ma verrine. J'ai combien, là? Là, je sais pas, t'as combien de grammes, là? Là aussi. T'as au moins 3 fois plus que moi. Mais c'est pas grave chérie, toi tu peux. Je sais pas, moi... Ça va être trop poids. Je voulais vous montrer la texture de la crème. En fait, c'est super ferme.
Ça fait vraiment crème et c'est bien citronné. Hein, hein? Vous aimez bien? Alors, je sais pas si c'est le skyr ou quoi, mais c'est crémeux et en même temps super citronné. C'est vraiment bon. C'est une bonne idée, en fait, de mettre le skyr avec... Enfin, j'ai eu une bonne idée. Je m'envoie des fleurs. T'en dis quoi, chérie? Ouais, c'est bon. C'est bon? Un petit dessert pour zéro point, j'en dis quoi? Mmh. Que tu t'en fous. Un petit peu. Non. Comment j'ai fait les galettes de riz, comment j'ai formé les galettes de riz tout à l'heure, parce que j'ai été vite, j'avais faim, donc du coup c'est un secret. Je vais vous remontrer déjà le petit truc. Alors moi je prends un, voilà, ça c'est logiquement ça vient d'une cloche à gâteau. C'est parce qu'il me faut un plat pour mettre de l'eau et dans laquelle la galette rentre entièrement, en fait, et dedans je mets de l'eau chaude pour ramollir et faire que la galette se colle. Parce que si l'eau elle est froide, ça colle pas. Donc je mets de l'eau dedans, donc de l'eau chaude que j'ai fait bouillir dans ma bouilloire. Hop là, attention de ne pas la renverser, hein, chérie. Hop, donc ensuite vous prenez votre galette, vous préparez un petit torchon à côté, ça va mieux aussi. Tout à l'heure je l'avais fait dans l'assiette, mais ce qu'il y a c'est que le liquide reste en dessous, autrement vous avez plein d'eau dans votre assiette. Donc on passe la galette. Alors vous voyez là, ça prend tout de suite forme, donc dans l'eau chaude. Hop, attention les doigts parce que c'est chaud. Hein. Et on la pose tout de suite sur le torchon. Et là, bah, on vient la garnir. Donc, des carottes, enfin, vous mettez votre garniture que vous avez choisie. Donc là, moi, c'est... Je suis en train de préparer ceux de Kim. Donc, des carottes, du chou... Je vais lui mettre un tout petit peu d'oignon, mais je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'elle n'aime pas trop ça. Voilà. Les nouilles de riz. Hop. Les germes de soja. Crevettes. Je ne vais pas lui mettre de poivron parce qu'elle n'aime pas ça non plus. Hop. Et là, du coup, on rabat sur les côtés. Alors, cette partie-là, en bas, on vient recouvrir au-dessus. Et là, on vient rouler. Hop, ça colle. Bien sûr, là, la galette, elle était un peu cassée. Donc, du coup, voilà. Je vais en refaire une deuxième. Autrement, ça colle. Alors, c'est fragile les galettes, donc si elles sont un peu cassées, c'est embêtant. Hop, j'en prends une deuxième. En l'eau chaude. Hop, dessus. On garnit. Donc après on peut mettre de la laitue aussi à la place du de la laitue, de la menthe comme je vous ai dit tout à l'heure. Du concombre aussi, pourquoi pas. Bon après je pense qu'on peut mettre les légumes qu'on veut hein, dedans, c'est juste en fonction de vos goûts. Et puis de la saison aussi, c'est vrai qu'il y a des moments... Hop, un peu de... Germes de soja, des crevettes. On met donc sur les côtés au centre. Hop là, voilà. Celle-là, on vient recouvrir et là, du coup, on vient rouler. Voilà. Ah, allez, donc je suis finie et je vais mettre un torchon un peu humide au-dessus pour éviter qu'il se qu'il s'assèche de trop. Ça y est, 21h30.
Et on a fini. Enfin, on a fini. Chérie, t'es encore allée récupérer la grande à 22h, 22h30. On attend son message comme quoi qu'elle est bien partie. En fait, ils font du covoiturage. Donc, on la dépose à un endroit. Elle va avec eux parce qu'elle fait ça avec sa tante. Donc, elle monte avec sa tante et quelques autres personnes qui font aussi de la danse là-bas. Ils vont jusque-là. Et puis ensuite, ils reviennent et ils la redéposent là où... là où chérie l'a déposé. Donc ça évite de faire beaucoup de route parce que je pense que ça doit être quand même à une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc à chaque fois ça lui fait une heure et demie en tout. Donc là voilà, ça lui évite de faire toute cette route. Comme elles y vont toutes, voilà, c'est plus simple. Puis ça fait moins de pollution qu'au voiturage, c'est bien. Ah, alors le dessert, franchement, si vous êtes fan de citron, on vous le conseille parce que c'est vraiment très très bon. Et en plus, voilà, si vous rajoutez pas la chantilly, si vous ne faites pas la gourmande comme moi, ben c'est un dessert à zéro. Donc, pas mal. Et le chéri a mangé des sandwichs, lui. Du coup, comme il voulait pas de rouleau de printemps, il a mangé du pain avec du fromage. C'est rare, hein, mais bon. Voilà, il y a deux moments. Alors même là, Angel me dit, ah, moi, ça me bourre pas trop, ça. Alors, je dis, c'est pas grave, j'en ferai plus. Mais c'est vrai que moi et les filles, on aime bien. Donc, c'est un peu bête de se priver, en fait. Alors que, voilà, on aime ça. Donc, je pense que, comme Stécie a dit, elle a suggéré, elle a dit, c'est pas grave, maman, on fera ça à midi. Et c'est vrai qu'un jour où on n'est que trois, ou même si chérie mange un sandwich à part, ça gênera pas. Donc je pense que j'en referai mais le midi. Voilà, c'est une bonne idée. Et puis en fait, compte, j'étais étonnée parce que je pensais que c'était avec les nouilles de riz plus la galette de riz, je pensais que c'était vraiment quelque chose qui était beaucoup plus calorique en fait. Voilà. Alors que là, non. Donc c'est plutôt cool parce que c'est vrai que j'aime bien. Bon, après, c'est avec les rouleaux de printemps, en soi, il n'y a pas grand chose dedans hein, à part des légumes. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même les nouilles de riz. Et... mais bon, il n'y en a pas énorme quoi. Voilà. Donc moi mes trois gros rouleaux de printemps, en fait je les ai bien bourrés de légumes, et ben ça m'a satisfait. Plus le dessert avec le skyr, c'était bien bourrant. Donc voilà, je suis calée pour la nuit là. Enfin, je vais quand même me prendre mon petit carré de chocolat noir tout à l'heure avec ma petite infusion. Je me suis acheté une nouvelle infusion. C'est une de vous qui m'en avait parlé. C'est une infusion, c'est la Lipton, je vais chercher, j'arrive, je les ai mis dans mon pot. C'est la Lipton bio, je pense. Hop, non, c'est l'éléphant. Non, c'est pas ça, c'est celle qui est ici. Oui, c'est l'éléphant, c'est grenade hibiscus. Elle sent très bon et elle est très très bonne aussi. Ouais. En ce moment, voilà, je suis à fond dans les infusions. Jusqu'à ce qu'il fasse très chaud, je pense. Mais en ce moment, j'ai tout le temps froid. Donc, je crois qu'il me reste encore un petit peu de marge avant d'avoir chaud. Quoi qu'ils annoncent un super beau week-end. Donc, on va avoir un très beau week-end de Pâques. Ils annoncent un week-end avec des belles températures. Hein, chérie? Ils annoncent quoi? 24, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, c'est toujours. Voilà. Oh, elle a déjà fini? C'est Kim, sans moi. C'est ça? Ouais. Ah, okay. Ouais. Bon, bah déjà fini. C'est cool. Bon, allez. Du coup, bah, moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vais commencer à monter le vlog. Et puis, aller voir si j'ai pas des commentaires à répondre. Parce que du coup, j'ai pas fait grand chose ce midi. Et puis, en attendant que chérie revienne. Ça va, chérie? Alors, chérie, hier, en se fendant le bois, s'est fait une belle gale. Et du coup, il a mal à son petit doigt. Il est handicapé du doigt. Ouais. Non, c'est pas sûr. Tu dois travailler comme ça maintenant. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il va recomber ma place. Ah. Bon, n'importe quoi. Ouais. Et il n'y a pas l'habitude de travailler aussi, Angel. Il a mal à son doigt aussi, à sa main. Ouais, bah, lui, il a fendu trois bûches. Et... il a fendu trois bûches et après il avait mal aux mains. Mais c'est vrai que c'était des sacrés ronds. Bon, allez. Donc sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne nuit et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Bonne nuit. Oh, chérie qui dit bonne nuit. Tu veux dire bonne nuit aussi toi? Non. Comment ça non? Pas poli? Des bonnes nuits? Bonne nuit. On n'a pas entendu. Bonne nuit.
Ah, vous l'avez entendu? C'était timide, hein. C'était timide. Allez, bye, bisous, bonne nuit.